للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères en islam, inshallah, aujourd'hui notre topic c'est compréhension d'in d'après 21e génération. Compréhension de l'islam d'après 21e génération. Peut-être un frère ou une sœur capable de poser même la question qui fait un titre pareil dans le contexte qui nous était actuellement. Un exemple, peut-être ça capable de faire nous réfléchir un petit peu plus. Mais quelque chose qui nous trouvait ça l'année-là, par exemple, dans Sud-Afrique, là, près avec nous, là, nous avons un masjid qui est un gay-friendly masjid, qui veut dire gay-friendly mosque, qui veut dire un masjid qui, quand l'imam là, il est homosexuel, et il dit que ça, ce masjid là, c'est un masjid pour un homosexuel. Ça, un. Mais quelque chose qui nous trouvait encore en Amérique, ça l'année-là, en Amérique, il y a un masjid quand c'est une madame qui vient pour faire jumma, et sa imam qui fait khutba là, c'est une madame. Qui veut dire qu'il peut trouver une petite chose là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui peut commencer à dire qu'il nous besoin réinterpréter l'islam, nous besoin relire un texte. Un texte, texte veut dire soit ayat Coran ou bien hadith. Nous besoin une nouvelle interprétation de l'islam à cause nous les mondes fin évoluer. Alors nous besoin faire pratiquer un islam, interpréter un islam qui peut adapter avec nos contextes. Alors, dans sa situation qu'il nous peut vivre là, dans sa petite chose qu'il nous peut trouver là, avec sa différentes versions, et comme on nous connaît aujourd'hui le monde, et bien, comme on dit un global village, un village, qui fait le monde, et bien, comme on dit un village, parce qu'il nous est en communication, nous peut vivre à l'ère de communication, de technologie. Tout le monde légalement qui apparaît à l'extérieur, peine à doute qui, si nous ne prenons pas précaution, ça va être quelque chose qui vient dans nos pays et beaucoup de légalement c'est une fini quelque chose qui pas tient une vingtaine d'années de cela, une dizaine d'années de cela, nous trouver ça va être quelque chose là qui commence à rentrer, ça va être bida et qui appelle réinterprète l'islam, et je veux appeler ça et revivre l'islam ou bien tajdid veut dire réforme l'islam. Je peux faire appeler délégalement, puis appeler pour réforme l'islam. Alors ça, dans ce contexte-là, nous dire il est important pour qui nous informe, nous cause nous ce sujet-là, quand nous pratiquons l'islam, d'après qui ça a cette compréhension qui nous pratique l'islam. Premièrement, nous venons dire compréhension de l'islam d'après ma première génération. Qui ne peut redire pas ma première génération, terminologie qui nous servit, c'est salaf, ban salaf. Qui fait nous servir cette terminologie là, qui fait nous dire et qui ça là quand nous dire première génération, ban première génération, nous pas dire première génération, nous dire ban première génération. Ça li basé le hadith. Tout qui chose qui nous dit dans din, li bien basé le Coran et hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit khayrukum qarni. Ou bien dans la riwayat qui mentionne khayrun nas qarni. Le prophète dit meilleur de ban génération ou bien meilleur ban jimoun ou bien meilleur parmi eux que Muhammad qarni, mo génération qui veut dire génération de ban sahaba. Il dit thumma alladhina yalunhum, ensuite ban qui vient après ban sahaba qui veut dire deuxième génération qui nous appelle ban tabiri. Ensuite il contient il dit thumma alladhina yalunhum, ensuite ban qui vient après c'est ban tabi'i, sa génération qui n'apprend avec ban sahaba, ça appelle ban tabi'i. Donc qui nous gagne trois générations. Sahaba, tabi'i, tabi'i. C'est même qui nous dit ban première génération et non pas première génération. Donc on peut dire salaf, sa terminologie salaf qui vient rentrer dans nos terminologies islamiques, c'est l'hyperéfé à sa trois premières générations. Et quand nous prenons ce hadith-là, c'est qu'il ne comprend pas là. Qui ça, c'est trois premières générations, et puis un adulte, qui dans sa trois premières générations-là, meilleur là-dedans ces générations sahaba. Meilleur là-dedans ces générations sahaba. En passant, les bons qui nous connaissent, les muhadithines, quand vous êtes vérifiés, sanad, veut dire chaîne de transmission de ban hadith, tout le narrateur, vous êtes vérifiés, excepté générations sahaba, puis vous vérifiez. Qu'il soit un tabiri, qu'il soit un tabiri, et généralement, dans l'époque de Ban Tabi'a Tabiri, la compilation hadith qui commençait. Là, nous avons Imam Malik, Imam Zuhri, Ibn Shihab Zuhri. La compilation, Ban Savan commence,
Et il y a un calife qui s'appelle Omar bin Abdul Aziz, un de l'autre officiel. Je ne sais pas si je peux écrire un hadith, mais à sa, un autre officiel qui vient depuis le calife, dans l'époque de Omar bin Abdul Aziz, là, il commence et une compilation officielle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de compilation. Il y a une compilation, mais en grande échelle, ben, ça va commencer à faire officiellement avec l'autre du calife, ça de l'époque de Omar bin Abdul Aziz. Alors, le dire qui est un ulama du hadith, je ne vais pas vérifier, quand je vais vérifier narrateur, je vais vérifier tout narrateur excepté Sahaba. Comme je connais un monde Sahaba, je vais vérifier. Parce que tout Sahaba, je dis une terminologie qui servait, Udoul. Udoul veut dire trustworthy, reliable, qui nous capable de relier au lit, nous pouvons vérifier qui était, nous connaissons un Sahaba, veut dire ce mémoire bon, ce compréhension bon, tout qui peut nous accepter ce bonne parole, qui peut lui attribuer ça à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ces trois générations-là, meilleur là-dedans, c'est bonne Sahaba. Et les bons aussi, un des bonnes informations qui nous, les bons nous connaissent, dernier Sahaba qui fait une mot, il s'appelle Abu Tufail Amir bin Wathili, il fait une mot l'année 100 Hijri. L'année 100 Hijri, quand on a une divergence d'après certaines richesses de bonnes savants, il y a capable une version contraire, mais la version qui est plus connue, c'est qu'il y a un des Sahaba qui fait une mot, même il y a ce qui nous fait lire Anas ibn Malik, dernier Sahabi, mais. La version qui est plus connue, c'est Abu Tufail Amir bin Wathila. C'est un même dernier Sahaba qui fait le mot, c'est l'année 100 Hijri. Dernier Tabiri qui fait le mot, mais des élèves de Ban Sahaba, le bureau de montée, comment dire, à peu près que sa génération Tabiri, là, il est terminé, c'est Khalaf bin Khalifa, et il fait le mot l'année 180 Hijri. Et dernier Atbar au Tabiri, il veut dire. Troisième génération, ben qui nous joint avec Ben Tabiri, dernier parmi eux, finit l'année 220. Alors ça, c'est sa trois premières générations. Alors moi, je viens dire, meilleure génération là-dedans, c'est Ben Sahaba. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et montrez-nous, il dit qui wa inna bani Israël tafarraqat ala thintain wa sab'ina milla. Bani Israël fin en secte, fin divisé en secte, en 72 sectes. Elle dit wa taftariqu ummati ala 73 milla, et ma ummat li pou divisé en 73 sectes, kulluhum fin nar, tout dans le feu de l'enfer, illa milla wahida, excepté un seul là-dedans. Et ben ça va fin pose question wa man ya rasulallah, wa man hiya ya rasulallah, qui ça groupe qui finit sauvé depuis le feu de l'enfer. Pendant 73 sectes de sa oumad là, un seul pour gagner Jannah, tout pour gagner l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit Ma ana alayhi wa ashabi. C'est ce qui moi peux pratiquer et ben sahaba peut pratiquer. Veut dire, sa groupe qui poursuive, ce qui moi peux pratiquer, mais ce qui intéresse nous aujourd'hui, le prophète pas fin arrête là. On veut finir dire ce qui m'obane Sahaba peut faire. Ce qui m'obane faire et ce qui m'obane Sahaba fin faire. M'obane Sahaba fin suivre. Ce hadith-là, il trouve à Tirmidhi. Il y a plusieurs versions, plusieurs narrations de même hadith avec quelques différences de ce ban wording. Mais sinon, ce hadith-là est un hadith authentique. Donc, je trouve encore une fois là que sa génération de Sahaba-là est très importante dans nos dînes. Quand on veut dire meilleure génération, c'est bonne génération. Ça c'est ban comment nous dire ban maalim, ban milestone, ban guide qui prophète peut quitter pour qui quand nous dans divergence, dans dissension, nous retourne vers compréhension de sa ban sahaba là. Pas seulement qu'on peut y avoir une divergence, mais nous comprend nous dit d'après ça qui ban sahaba fin comprend. Et Imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre Usul Sunnah. Et l'imam nous connaît que le mot sunna, ben savant, servili avec sens. Nous tout connaissons sunna, c'est ce que le prophète pratiquait, il dit, ce ban approval. Mais aussi, ben savant, il servit le terme sunna pour désir akida. Je me mine par sunna akida, la croyance, le dogme, comme on le dit en français. Imam Ahmad ibn Hanbal, il finit écrit un livre, Usul le sunna, les fondements de la sunna, les fondements de akida dans sa contexte là. Il dit à l'adam, ça les font partie dans akida ça. L'idée comme ça, usul sunna indana at-tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida bihim. L'idée parmi les fondements de la sunna de nos aqida, de nos croyances,
c'est attache nous fermement avec ça qui ban sahaba tu peux faire et suivre chemin de ban sahaba. Donc là nous trouvons encore une fois sa génération là, il y a une génération spéciale, sa génération de sahaba, une génération spéciale. Comment ban ulama fin dire en dimon il apprend le Coran, il apprend sunna, troisième step c'est il apprend asar, il apprend Athar veut dire ban narration concernant ban sahaba, ban parole de ban sahaba, concernant ban pratique de ban sahaba. Alors, des troisième step dans le Coran, sunna et athar de ban sahaba. Donc, qui fait nous donne préférence, compréhension. Nous devons suivre l'islam d'après compréhension de ban sahaba. Premièrement, ça ban sahaba là, je vais apprendre directement avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais boire depuis la source qui est pure, qui n'est pas fin corrompue. Dans Rasul alayhi wa sallam, ce vivant, bidra pas existait. Oui, bidra fin existait dès le départ, quand les prophètes quittent sa dunya là. Fini commencer là, bidra, veut dire par exemple, bidra de man khawarij, bidra de Ben Qadariya, de Ben Tiani, l'époque de Ben Sahaba, quand Ben Tiani Sahaba qui restait, Ben Qadariya fin apparaître, Ben Jimoun qui n'est pas quoi de destin. Mais Ben premier c'est qui fin apparaître, c'est Khawarij, dans l'époque de Hazrat Othman, Ben Len fini commence à apparaître. Et même Ben là qui dit, les autres, la source, tu trouves dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a un Jimoun qui vient contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Muhammad, i'adil, oh Muhammad, fais la justice. Et le prophète fin fait une prédiction qui donne descendance à Jimoun là pour une avant tel carte Jimoun qui veut dire Ben Khawarij, Ben savoir relier sa Jimoun là avec Ben Khawarij. Qui veut dire, si nous disons un secte, le secte commence dans l'époque de Othman bin Affan sur l'époque. Et comment nous connaissons, Omar radiallahu anhu, il tient l'apôtre contre Fitna. Long hadith, mais c'est qu'il nous a connu qui l'amour de Omar radiallahu anhu, et c'est un apôtre que, comment dire, l'apôtre de Fitna fin ouvert. L'amour de Omar, c'est un apôtre de Fitna fin ouvert. Après lui, il commence à beaucoup ban Fitna. Dans sa présence, par permission Allah, patina, Fitna, patina ban sec qui t'apparaît. Et comment nous finissons, premier qui c'est qui ban Sahaba, je finis apprendre directement avec le sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important. Quand nous prenons connaissance, nous guettons Sadi Moula avec ça qu'il vient prendre connaissance. Sinon, Sadi Moula, quand il prend connaissance avec un lot, peine à lot, Sadi Moula est influencé par avec la personne avec laquelle il prend la connaissance. Nous guettons une parole d'Ibn Abbas qui trouve dans Bukhari. Il dit « Oban musulman, ya ma'ashara al-muslimin, kayfa tas'alouna ahla al-kitab min shay, wa kitabukum alladhi anzal Allahu ala nabiyyikum ahdathul akhbar » Il dit, oh ben musulman, comment je peux capable poser question ben Ahlul Kitab, alors qu'Allah fin révèle ce dernier livre, il permet une bonne nouvelle. Allah Ta'ala révèle ce dernier livre qui contenait ben nouvelle. Et livre là encore là, encore fresh, comment nous dire, fait révéler. Comment je peux dire avec ben Ahlul Kitab? Ça montre nous qui Ibn Abbas, les titres désapprouvent qui ben Jimoun al Jiman avec ben Ahlul Kitab. Elle pose question. Ban Ahlul Kitab. Donc nous prenons le tien leçon là-dedans, ce qui est bizarre guetté, quand ça ne peut prendre la connaissance. Un autre petite chose encore, deuxième point pour nous dire que Ban Sahaba, cette compréhension, c'est Ban Sahaba, cette compréhension qui nous vient suivre, c'est qui quand nous guette Ban Sahaba, façon qui je te finis apprendre. Peine à doute qui meilleure façon qui Ban Jimoun finit apprendre, c'est façon qui Ban Sahaba, comme Ibn Mas'ud dit, dans l'époque, maintenant dans l'époque de Ban Sahaba, il dit كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُهُنَّ حَتَّى يَعْرِفْ مَعَانِيهِنْ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ. Il dit, dans l'époque, maintenant dans l'époque de Ban Sahaba, quand le prophète Chanko l'a même, un parmi nous, il dit qu'il apprend 10 versets. Et il n'est pas dépassé sa 10 versets là, jusqu'à qu'il comprend ce qu'il y a dans sa 10 versets là, et il finit faire un mal. Ali radiallahu anhu dit saluni an kitabillah, demande-moi concernant le livre d'Allah. Fa innahu laysa min aya illa wa qad araftu bi laylin nazalat am bi nahar. Il dit demande-moi concernant Allah ce livre. Qui veut dire Ali, il n'est pas fait arrogant là. Ali veut dire moi me qualifier pour expliquer le livre d'Allah. Pose-moi question, parce qu'il peine un ayat, excepté qu'il me connaît. Est-ce que ça la ayat là finit révèle durant le jour ou bien durant la nuit? Qui veut dire le bureau de mine par là, il connaît dans quel contexte précisément ça verset là finit révélé. Et quand nous connaissons contexte de révélation, nous comprenons verset là plus bien. Donc qui a allé me montrer?
veut dire, il peut dire, moi, je suis qualifié. Moi, je suis qualifié pour montrer le Coran. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver, et nous avons dit, je ne peux pas faire l'étude du Coran. Surtout l'époque où nous pouvons vivre, que le monde valorise l'éducation académique. Quand un monde, par exemple, il a un certificat dans si pas tel domaine, si pas il y a un PhD dans un domaine, ça dit qu'il a pas l'antiquité de l'islam, nous trouvons que le monde donne sa PhD là plus valeur qu'un monde fait l'étude formelle de l'islam. Lui, alhamdoulilah, il fait ce PhD, il y a un monde qui est intelligent, il a une bagage académique, il y a un monde qui est intelligent, alhamdoulilah, il est plus facile pour lui apprendre l'islam. Mais toujours il y a un danger, il n'a pas fini d'apprendre l'islam à plein temps, il finit de lire quelques bandes livres, il finit d'apprendre quelques, écouter quelques causeries. Mais aujourd'hui, nous trouvons ça dans ce monde-là qui peut venir à la tête de bonne organisation. Ça, il y a un danger. Il y a un danger. Pareil, nous sommes pour soigner, nous ne pouvons pas être un infirmier, nous ne pouvons pas être un docteur, si nous avons une maladie. Naturellement, nous pouvons conseiller avec un monde, mais un docteur reste un docteur, un infirmier, il reste un docteur. Là, pour ça, aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons ça qui est ceux-là qui. Dans tout domaine, nous respectons du monde sur expertise. Un du monde, il y a un docteur, nous respectons sur expertise. Un du monde, il y a un menuisier, nous faisons un travail pour nous. Mais seulement dans le dîne, du monde là, il n'est pas fini d'apprendre dîne pour m'aviser, mais lui qui parle d'un directif, du monde qui n'apprend dîne. Alors, ça, c'est l'époque qui nous peut vivre, c'est que malheureusement, il est comme ça, nous pas. Et surtout, de ça qu'appelle Tawhid. Nous vous trouvons dans les jeux de tendance que tu as beaucoup respect. Pour je te ban alim, je t'appelle alim. Toi qui lis pas par alim, mais je te donne un titre. Ne pas me dire qu'il vient d'un titre, mais seulement at least respecter expertise du monde, le connaissance qu'il vient d'acquérir. Et surtout si nous ne pas faire une expertise, ne pas faire apprendre comment lire pareil comment lire. Une chose encore qui montre nous comment les Sahaba fin apprendre. Omar radiallahu anhu, Imam Malik fin rapporter de ce Muwatta, il dit que Omar lui fin prend 8 ans pour apprendre sourate Baqarah. Omar radiallahu anhu. Les filles prennent 8 ans pour apprendre sur la Baqara. Qui ne comprend pas là? Ben Sahaba, ben Arabe, c'est ben Jimoun qui connaît pour cette mémoire. C'est trop facile pour cette apprendre le Coran, c'est ben Sahaba là. Et Allah il connaît un de ben sagesse qui peut-être Allah fait révéler sa Coran là dans sa peuple arabe là pour je tiens ben bonne qualité. Malgré que tu me vis de jahiliya, de l'ignorance. Mais tu n'as pas une bonne qualité dans le jeu. Parmi là-dedans, je te mémore. Je te vraiment, vraiment. Et ça, je ne parle pas trop long, mais plus vite. Mais sinon, ben Sahaba, vraiment, je te l'esprit, je te l'intelligence, je te mémore, tu es bien faux. Omar, il prend 8 ans, ou bien Thamanin Sana, qui veut dire Thamani Sana, veut dire, il vient apprendre le Coran, Thamana Sinin, qui veut dire, il vient apprendre le Coran dans 8 ans. Il vient apprendre plutôt sur la Baqara. Dans 8 ans, il vient prendre, il n'est pas fini d'apprendre sur la Baqara de 2 mois, de 1 an, non. Dans 8 ans, il vient prendre, il vient apprendre sur la Baqara qui veut dire, tu vas apprendre avec compréhension, avec Amal ensemble. Comme ça, même Ban Taberi, je viens apprendre vraiment comme habiter avec Ban Sahaba. Un exemple, Mujahid, qui est un grand Taberi, un grand Mufassir, il vient apprendre avec Ibn Abbas. Ibn Abbas nous connaît dans le Juman du Coran. Lui, il est un expert du Coran. Le prophète fait un doigt pour lui. Allahumma faqqifu fi din wa allimu ta'wil. Ça, c'est barakat de Ban Sahaba. Ban Sahaba, cette connaissance et notre doua. Derrière cette connaissance et notre doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, faqqifu fi din. Donne-lui la compréhension de din. Wa allimu ta'wil. Oh Allah, donne Ibn Abbas compréhension à ta'wil, interprétation du Coran. Qui veut dire Ibn Abbas, qui est un expert du Coran, Mujahid dit Aradtu al-mushaf ala Ibn Abbas 3 aradat. Mofin présent, Mofin expose, Mofin pose question concernant Coran, concernant Coran 3 fois. Il dit min fatihatihi ila khatimati. Depuis commencement sur la Fatiha jusqu'à sur la fin, veut dire sur la Nas. Mofin récite le Coran avec Ibn Abbas, Mofin pose les questions. L'Oban verset. Okifuhu, il donne des explications. Okifuhu inda kulli ayah. Mo arrête Ibn Abbas, quand chaque ayat. Mo lié un ayat, mo arrête, mo pose des questions. Mo demande des explications. Okifuhu inda kulli ayah. Wa as'aluhu anha. Mo pose les questions concernant sa verset là. Mais je prends depuis Fatiha jusqu'à Nas. Tigit par tigit, il fait lire, il fait une demande d'explication d'Ibn Abbas. Ça, affaire là, rapporté par Ibn Jalil al-Tabari dans ce tafsir. Et ça montre nous, Ban Sahaba, cette façon qu'il se finit apprendre, dîne à l'islam. Donc, c'était Ban Savant avec qui nous prend dîne.
L'autre petite chose qui nous comprend, qui fait nous apprendre avec Ban Sahaba, parce que Ban Sahaba, je fin vivre la révélation. Je vive l'époque que le Coran peut révéler. Ça, c'est l'effet. Quand je vous montre un incident dans le Khilafa de Mouawiya, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et là qui compte Hassan, bin Khalif. Après, tout de suite, après 6 mois, après, c'est Mouawiya, bin Khalif. Bin Khalif du monde musulman à l'unanimité. Tout musulman a accepté Mouawiya comme Khalif. Je te parle, tu as un homme qui est sur Mouawiya, tu as un homme pour attaquer Constantinople. Constantria, c'est Constantinople. Finalement, il y a une armée pour attaquer. C'est la capitale de Rome, de Man Romain. Man Romain, c'est la Turquie. Je te base militaire, je te capitale, nous capable de dire. Une armée, il y a allé. Sa armée là, à la tête, il y a. Soit à la tête, ou bien Yazid, ils font partie de sa armée là. Ou bien Yazid, ils font partie de sa armée là. Là-dedans, il y a Abu Ayyub al-Ansari, Sahabi. Les deux vont l'appeler la guerre. Et une personne qui lui vient faire, lui vient lancer dans les rangs de l'ennemi. Dans le djihad, malheureusement, nous connaissons la quand il y a la guerre, un soldat met en rang, musulman met en rang là-bas, kafir met en rang là-dedans, un musulman lui vient lancer dans les rangs de l'ennemi. Un djimoun vient dire, lui vient lire ayat Quran, « Wa anfiqou fi sabilillah, wa la tulqou bi aidikum ila tahluka. » Dépense dans ces... C'est sur la Baqara. Dépense dans ces... Allah... Et n'a pas zedzut à la destruction avec zed proclamé. Ça dit mon là fin lié ça y est Coran là. Qui fait les finir ça y est Coran là. Les temps les trouve sa mujahid là peut quitte les rangs, les fonce dans le rang de l'ennemi pour la guerre. Qui lui veut dire ça dit mon là peut faire une erreur. Allah peut dire n'a pas zedzut avec zed proclamé dans la destruction. Ça dit mon là qui est arrivé, lui peut réciter un ayat Coran au contexte. Abu Ayyub al Ansari lui corrige ça dit mon là. Lui dit comme ça non. C'est pas ça quand on lance nous dans les rangs de l'ennemi pour faire l'attaque de l'ennemi. Ça, c'est pas destruction, c'est pas suicide, ça. Ça, c'est djihad, ça. L'idée, c'est qu'Allah veut dire ici, l'idée, la destruction, êtes nous avec nous la main de la destruction, c'est quoi? An-nuqima fi amwalina. C'est qui nous contente, nous, avec nos richesses, nous assiser, nous prend compte, nous business, nous la cage, nous confort, wa nada'ul jihad, et nous quitte jihad. C'est ça la destruction. Et non pas cette action-là qui est la destruction. Donc, l'ifisad et ce hadith-là, Athar-là plutôt, l'y trouve dans Al-Bayhaqi, Imam Al-Bayhaqi, il rapporte ça dans Sunan Al-Kubra, qui vous montre où qui. Ça, c'est une misinterprétation, une mauvaise interprétation de l'ayat Coran. Comme ça même, et ça, c'était pas le premier à l'époque là, veut dire, heureusement qu'il s'est rabattu là pour corriger le monde. Ban Khawarij, c'est pareil. Khawarij, une de bonnes raisons, peut-être principales, qui fait ce film émerger, c'est quand Ali avec Mouawiya décide pour faire arbitrage. C'est la guerre. Je fin fait arbitrage, je fin d'accord pour faire arbitrage, je vais dire un djimoun saute dans le camp de Mouawiya, un djimoun saute dans le camp de Ali, je vais besoin, je vais discuter pour mettre fin à la guerre. Ban Khawarij qui est dans le camp de Ali, radiallahu anhu, ban djimoun qui est dans le camp de Ali, je vais dire inil hukm illa lillah. Le hukm donne jugement, ça l'idant Allah, ce inil hukm illa lillah donne jugement, ça l'existe pour Allah ça. Ça, l'existe pour Allah. Mais qui je peux faire ici? Je peux contredire Allah. Ali, tu peux continuer la guerre contre Mouawiya. Parce qu'il y a Ali qui est calife. Mouawiya ne va pas accepter lui. Ali en tout. Et Mouawiya aussi en tout. Tous les deux en tout. Parce que pour Ban Khawarij, Mouawiya qui fait lui en tout, il n'est pas obéi à Ali. Ali qui fait lui en tout parce qu'il peut faire arbitrage. Il a accepté pour faire arbitrage. Il peut continuer la guerre. Parce qu'il hukum jugement, pas dans la main, c'est dans la main. Et parmi les raisonnements, quand Ali finit en soit Ibn Abbas, soit Ibn Masoud, nous allons rappeler exactement ce là pour discuter avec Ibn Khawarij. Parmi les versets qui sont mentionnés avec Ibn Khawarij, Allah dit, quand Miché et Madame gagnent la guerre, « Faba'athu hakama min ahlihi, wab'athu hakama min ahliha. » Quand Miché et Madame gagnent la guerre, fait un arbitre sorti depuis d'un côté Miché et un arbitre des côtés Madame, qui veut dire une grande personne, c'est pas Michel là, sa famille, son papa, c'est pas un grand du monde d'un côté Michel, un du monde d'un côté Madame, pour jouer, pour mettre la corité. Alors qu'il vient de faire l'arbitrage, mais qui est arrivé, ben ça va être Khawarij là, je te connaissance, je m'en dire, c'est un dialogue qui dit half knowledge is more dangerous than no knowledge at all. La moitié connaissance n'est plus dangereuse qu'un du monde qui vient de connaissance. Une façon de parler, qui veut dire, ben, quelques versets, je peux mal juger. La cause, ça, quand nous causons sur ce topic,
naturellement pas causer mais quand je monde il peut déduire la loi ça c'est un travail de ban savant je pas prendre un verset des versets ban savant je dis na tout verset tout ayat Coran concernant ce topic là à la lumière de tout ban verset ensemble les là je peux donner un jugement un exemple quand aujourd'hui c'est tout ban moderniste je te fais Coran je te rapiche je te prends din bout par bout je pas get click comment dire un tout un whole comment le dire Allah subhanahu wa ta'ala dit ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم jamais je ne suis capable de faire la justice entre bonne épouse même je fais toujours des efforts ولو حرصتم et dans le modernisme qui vient dire ben la polygamie n'est pas possible aujourd'hui parce qu'à lundi l'un veut dire jamais je ne suis capable de faire la justice entre bonne madame un dimanche il y a plus qu'un Allah veut dire jamais littéralement, comme il y a des ayats Coran là, jamais je ne suis capable de faire la justice pour une madame. Même je fais toujours des efforts, voilà, harastoum. Mais seulement, vraie compréhension de sa verset là. Mais vous écoutez les ayats Coran, Allah qui dit Fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba. Moi, avec une madame, deux, trois ou bien quatre. Qui veut dire, la porte là est ouverte. Allah n'est pas contre Dieu, lui-même lui. Qu'Allah veut dire ici là, ne vous inquiétez pas, sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لي تي فيلا عائشة رضي الله عنها لمم لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل لي بوفات صلى الله عليه وسلم تي في لا بارتاج parmi ce bonne madame et il fait la justice ensuite tu peux dire oh Allah هذا ما املك oh Allah c'est ce qui me contrôle l'eau là n'a pas la talumni fi ma la amlik concernant ce qui me contrôle l'eau là qui veut dire oh Allah ce qui m'en fait là, il fait l'apportage. Il y a un gâteau pour donner, il y a l'argent pour donner, il y a l'aise pour donner. Le prophète il divise, il égale. Après, il dit, oh Allah, ça c'est qui m'en a contrôle l'eau là. Pas puni-moi pour quelque chose qui m'en a contrôle. Qui veut dire, avant de dire, c'est qu'il y a dans l'équerre. Un démon n'est pas capable de faire lui-même, incline vers un autre plus qu'il autre. Mais ça, il reste dans l'équerre. Il fallait pas lui arrêter l'action. Pareil, un démon a plusieurs enfants. L'innaturel, ça, un démon est capable de compter un enfant plus. De ce l'équerre, il penche vers les enfants plus. Mais il fallait pas lui faire paraître de l'action. Il fallait lui traiter tout pareil. Donc l'équerre, comme le prophète dit, « Qalbul mu'min bayna uzbu'ayn min asabi'i ar-Rahman » L'équerre du croyant, lui hante les doigts de ban les doigts de ar-Rahman. Allah lui contrôle ban l'équerre, lui muqalliba al-qulub. Donc l'équerre, c'est ça qu'Allah peut dire. Sa justice, qu'il ne soit pas capable de faire là, qu'il vient d'être dans le temps. Dans l'inclination, ça c'est difficile pour un monde, il n'est pas capable de faire la justice là-dedans. Mais, qui veut dire, nous devons comprendre que le Coran est une contradiction. Et nous devons inquiéter comment le prophète ne comprend, comment ne savait pas, aucun ne savait pas dire. Aucun ne savait pas dire que la polygamie est haram. Tout savant, il y a un ijmal là. Mais comment une nouvelle interprétation permet une nouvelle quitte compréhension de ma première génération, permet une nouvelle compréhension de l'islam, les mêmes que l'islam, les gains, les diffamés. Aussi, parmi les raisons qui fait nous besoin suivre compréhension de ban sahaba, parce que ban sahaba c'était ban dimon qui comprend la langue arabe plus qu'il n'importe qui ça là. Ibn Taymiyyah lui dit wa man lam ya'rif lughat as-sahaba allati kanu yatakhatabuna biha. Ça c'est très important. Ibn Taymiyyah lui dit c'est lui qui pas connaît le langage de ban sahaba, il pas le langage arabe lui. Il a une question bien importante là-dedans. C'est lui qui par contre le langage de ban sahaba qui se peut causer, à travers lequel tu peux causer, et le langage pour lequel le prophète tu peux adresser. Qui fait le langage de ban sahaba, il fait le langage arabe. Parce qu'il langage qui évolue. Aujourd'hui, il y a une petite chose qui est un mot qui servit, qui dans le passé, sa signification tient l'autre. Aujourd'hui, on dit Seyyar. Avec un ou dire avec un arabe, un dimanche qui n'a pas un arabe, même un Mauricien qui n'a pas un arabe, un petit mot facile qui nous apprend, Sayyara veut dire le tout. Mais dans le Coran, Allah fait mention Sayyara, mais dans l'époque sahaba, ou bien ça se concerne dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Wajahat Sayyara, dans Surah Youssouf, caravane vini. Ici, Sayyara veut dire le tout. Veut dire caravane, dans l'époque, ça à l'époque, pas le tout. Donc nous devons comprendre arabe qui va là, tu peux causer ça à l'époque là. Aujourd'hui, arabe, il modifie beaucoup. Alors, c'est ça qu'Ibn Taymiyyah veut dire. C'est lui qui ne connaît pas le langage de Ban Sahaba, qui se fait causer. Et le langage qui prophète, qui fait adresse Ban Sahaba. Et j'ai l'habitude de Ban Expression, qui se servit de ce calame, de cette parole. Il harraf al-kalim an-mawadi'i.
li pa pou ton li pa pou fè non rien excepté li pou distort li pou sens Allah ce Coran ce meaning li pou mal comprend Allah ce ce parole un exemple j'ai une personne et ban surtout pas orientaliste je considère lui comme un réformaté qui s'appelle Mohamed Abdou li dit à l'esprit sura al-fil li dit comme ça فارسل عليهم طيرا ابابيل الله فينا واي زوازو ابابيل ان راس دي زوازو كي فين ترميهم بحجاره من سجيل كي زوازو لا تشي زيد بان روس لو لامي دي ابراها جيت كوما زيت كي كومبريونسيون دي صحابه اي دي نو بي سابان زوازو لا سي بان باكتيري سا بيت بوسيبل سي بان باكتيري باسكو زوازو ما زال سو ليسبري بي ديالي كوم سا بي زوازو كوما كاباب ان اتاك لامي comment les oiseaux qui prennent russe pour lui d'après sa compréhension parce qu'il n'est arrivé qu'il finit faire il peut prendre sur l'intelligence il peut passer l'intelligence de Ban Sahaba il peut dire mais ça va un oiseau là peut-être c'est une bactérie alors Allah fait une bien langage qui Ban Sahaba pour comprendre parce qu'il a ça les pourquoi pas un dimanche pas tu connais que c'est une bactérie pas tu dans l'appareil pour trouver bactérie il dit c'est une bactérie ça une vini une détruire ça l'homme là alors ça c'est une nouvelle interprétation qui jamais ban aucun savant pas fait une nouvelle interprétation là alors il a ban dimanche une route interprète l'islam dans contexte qui je ne vis dans milieu qui je viens vivre avec un ban nouveau je ne refais l'islam vient en accord avec ban découverte qu'il a de l'époque pareil dans l'Inde il s'appelle Sayyid Ahmad Khan Sayyid Ahmad Khan il dit jihad dans l'Inde c'est ban modéliste il dit comme ça qui jihad tu n'as pas un anglais dans l'Inde tu peux contrôler l'Inde ça ne peut pas passer dans l'Inde Pakistan dans l'Inde seul dans les années 1800 quoi il dit comme ça jihad c'est nous la guerre contre ban qui vient pour détruire l'islam mais ban anglais vient dans l'Inde c'est pas pour détruire l'islam je viens pour développer nous parce que ban anglais ça à l'époque là tu es beaucoup plus avancé ban musulman matériellement technologiquement tu es bien oriré. Alors ben anglais vient de conquérir l'Inde. Alors il dit non mais ça va là pas vraiment faire jihad contre Dieu. Parce que je ne viens pas pour faire des choses. Je ne viens pour développer ce pays là pour faire du bien à ban musulmans. Alors il dit jihad mais là contre ban anglais. Alors tout ça là c'est ma nouvelle interprétation qui vient de venir. Et quand nous passons avec un autre point, c'est comment ban savant vient donner l'importance à faire de ban sahaba, pratique de ban sahaba, parole de ban sahaba. Salih bin Kisan, un de mes grands savants dans l'époque de Banta Abéry, qui finit vivre, puis prend naissance l'année 40 et finit mort l'année 140 Hijri. L'idée avec Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri, un de mes premiers savants qui finit compiler le hadith et aussi un détail biographique de mes narrateurs du hadith. L'idée comme ça, ijtama'tu ana wa Zuhri, natlubu al-ilm. On finit jouer avec Zuhri pour nous chercher la connaissance. Et la connaissance, surtout ça, les placer compile hadith. Et j'ai fait une zone avec Zuhri et nous pêchons la connaissance. Nous faisons dire, naktubu sunan. Nous écrivons une sunna. Nous écrivons une sunna. Alors, fakatabna ma ja'a an rasulillah. Nous faisons écrire une petite chose qui finit attribuée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sur une parole, sur une action, sur une approval. Nous faisons écrire, nous faisons compile hadith. Là, Zuhri lui dit avec Salih bin Kisan. نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة. Nous écrire aussi ce qui fait une vie depuis ban sahaba parce que ça aussi une forme de sunna parce que sahaba les suivent prophète à la lettre. Là Salih bin Kisan dit là, ليس بسنة لا نكتبه. Non, nous pas pour écrire athar de ban sahaba, ban quelque chose qui attribue ban sahaba parce qu'il n'est pas forme partie de sunna. Là il dit Salih bin Kisan lui-même il dit. Zuhri fin écrire, moi pas fin écrire. Fa anjaha wa dayatu. Lili fin fait la réussite, moi fin perdu. C'est lui qui fin fait la réussite. Donc lui fin approuve. Lui fin approuve Imam Zuhri finalement. Lui fin donne approval à Imam Zuhri. Un de mes premiers livres de hadith avant Bukhari, tout beaucoup les temps avant Bukhari, qui fin vient vers nous, fin préserver, Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Dans Muwatta Imam Malik, et il finit avec Zuhri, le premier savant qui finit compile hadith. Dans ce Muwatta, il finit compile 820 hadith. Il y en a 600 qui sanad continué là-dedans. Il y en a 220 qui mursal. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dire comme ça, hadith qui mursal, hadith d'arif. Je vais prendre quelques indiqués de la connaissance, vite, je viens dire hadith d'arif, je vais mettre dans le coin. Imam Malik,
il compile 600 hadiths qui est musnad, qui est marfou, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il compile 220 hadiths qui est mursal, qui est une interruption là-dedans, surtout une interruption entre Tabéry avec le prophète, mais il y a une sahaba sur nous. Tabéry peut rapporter direct depuis le prophète, il dit, il y a un sahaba. Il compile, si nous avons à peu près 820 hadiths, et là, dans ce livre-là, 613. Parole sahaba, asad de ban sahaba 613. Parole de ban tabéri, il y en a 285. Pour montrer nous, il y en a 800 hadiths à peu près, si nous avons dit, il y en a 600 paroles sahaba, 200 paroles de ban tabéri. Pour montrer l'importance que l'imam Malik fin donné à parole sahaba, à parole ban tabéri. Une autre petite chose encore, dans l'usul de l'imam Malik, aujourd'hui je vous dis, je suis pour un sunnah. Dans l'usul de l'imam Malik, l'imam Malik lui considère Amal Ahlul Madina comme une preuve d'un dîme. Qui veut dire Amal Ahlul Madina? Ces pratiques de l'habitant de Madina, dans son époque, quand il trouvait, il disait ça, c'était une preuve d'un dîme. Il considère lui aussi faux qu'un hadith. Ça, en fait, je ne vais pas prendre plus de détails là, mais seulement pour montrer qu'imam Malik, dans son époque, pratique Amal Ahlul Madina. Dis-moi, parce qu'Imam Malik, sur l'époque, regarde bien, dans Imam Malik, son Muwatta, hadith qui entre avec le prophète plus près. Il y a un hadith, An Malik, An Nafi, Maula ibn Umar, Ibn Umar, An Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Entre Imam Malik et l'Aziz Dina Atir. Imam Malik est rapport depuis Nafi, Nafi, c'est esclave libéré de Abdullah ibn Umar, Ibn Umar, c'est Sahaba. Et Sahaba, Ibn Umar, est rapport depuis prophète. Entre Imam Malik, avec prophète, il a dit des narratifs. Comment est-il prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque? L'idée, si un habitant Madina peut faire une petite chose, à l'unanimité, tout le monde peut faire ça. L'idée, sa pratique-là, bien sûr, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, Amal Ahlul Madina, c'est une preuve d'un dîme. Quand on peut l'apprendre, Usul al-Fiqh, ne vous trouvez pour Imam Malik parmi ce Usul. Et Imam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, qui est un Hanbali, il finit écrit un Risala pour lui supporter Imam Malik ce Usul, ce principe d'un dîme Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Taymiyyah, qui est connu comme un Hanbali, il suit l'école de pensée. Imam Ahmad Ibn Hanbal, le Usul de Imam Ahmad Ibn Hanbal, lui approuve de. Il fait flatterie de l'imam Malik sur le Usul. Pour montrer, ce qu'il veut montrer par là, c'est que comment l'imam Malik lui-même, qui est alim de Madina, alim d'Arul Hijra, comment il met l'emphase sur ce qu'il va sahaba fin faire. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, fait nous connaître. Pour montrer qu'il y a un sahaba, cette action, c'est hujja. C'est une preuve dans l'île. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ban sabiqoun, ban premier, ban kiti premier. Al-awwaloun, ban kin précédé, cette premier. Parmi ban muhajirin, ban kin kit makan bin Madina. Et ban ansar, et ban qui fin suivre cette. Bihsan dans la droiture. Il veut dire, ça peut référer à Ban Tabéri. Radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait avec Dieu et Ben Allah est satisfait avec Allah. Allah est mis dans le Coran là pour praise Ben Sahaba. Allah est mis pour praise Ben Sahaba et Ben qui suit Ben Sahaba. Ben qui suit Ben Sahaba. Donc, Ben Sahaba, amal de Ben Sahaba, c'est hujja dans le dîn. C'est une preuve. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est lui qui contredit Rasoul après qu'il a guidance fin vin vers lui et lui suit un chemin autre que chemin de ban croyant. Nouwallihi ma tawalla. Nous pour laisser dans sa cime qu'il fin prend là, ensuite nous pour mettre dans le feu de l'enfer. Ça veut dire là, c'est lui qui désobéit Rasoul après qu'il preuve fin vers lui et lui suit un chemin autre que chemin de ban croyant. Ça, chemin de ban croyant, c'est ban sahaba. Verset là, fin révèle dans l'époque sahaba. Rasoul Tila, sahaba, sa génération. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala pas fini arrêter avec celui qui contredit Rasoul, non. Celui qui peut contredire le chemin de ban croyant. En passant, Imam Shafiri, il dit à sa verset là, ça même preuve plus faux pour Ijma. Il y a une preuve dans Sharia. Il a dit, je vous crois, c'est le Coran Sunnah. Coran Sunnah, Qiyas Ijma, ban preuve
de base dans din Allah subhanahu wa ta'ala qui va savoir considérer comme muttafaqun alayh qui va savoir fin d'accord là quelqu'un dit va savoir comment certains van savoir fin jeno ijma pas ça ne pas prendre compte après ça van qui se charge van d'opinion qui ne pas vous porter attention à ça. Comme Ibn Hazm, il tient littéraliste, il n'est pas d'accord avec Qiyas. Mais la grande 99.9% des savants, je veux dire, Quran, Sunna, Ijma, Qiyas. Ça, verset-là, c'est une preuve plus forte pour Ijma, qui consensus. Quand tout les savants tombent d'accord ou une quitteuse, obligé de suivre sa quitteuse, pas qu'il y ait un droit contredire. Faire comme on dit dans l'époque, tout savant il arrive à un Ijma qui cigarette est haram. Nous pas gagner droit à amener notre opinion. Pas gagner droit à amener notre opinion. Mais si vous avez un Ijma, la porte là, elle est ouverte. Mais sinon, Ijma n'a pas le droit de contredire Ijma. Imam Shafiri, il s'est servi sa ayat Quran là pour dire sa ayat Quran là, c'est une preuve de consensus de Ban Saba. Aujourd'hui, ça concept, Ban Livre peut écrire pour dire que Ijma peina dans din. Peina Ijma dans din. Qui fait? L'élève même à quoi dire Ijma peina. L'élève même qui vient dire, Ban là pour venir dire où qui, où nous gagnons droit à abandonner, si pas lapidation. Nous gagnons droit. Quitte le quitteuse, qui veut dire, je dis, non, mais ça finition là, pour ça à l'époque là, tu as approprié. Alors, ban, et n'est-ce ban, pas ban du monde n'est de la rue, non, ban du monde qui versait dans religion, ban du monde qui versait dans dîme. Aujourd'hui, bidra même une sophistiquée. Longtemps, bidra, n'est qu'en bête du monde avec des affaires. Non, acheter là avec preuve, alors, ban preuve, ban doute dans dîme, ban recherche peut faire pour venir diffondre l'islam. Ban recherche avancée, puis elle rend un livre bien technique, bien même perspicace, ban qui soit bien technique dans din Allah subhanahu wa ta'ala pour distordre à l'islam. Et ça, un parmi de ban plan de ban américain, et un rapport qui ban une organisation qui s'appelle RAND. RAND, c'est une organisation qui fait ban l'étude stratégique pour l'Amérique. Et malheureusement, ce président, quand tu peux rester dans 14 mois, fait rire. Malheureusement. Je fais un rapport, je t'appelle ça, plusieurs rapports, je fais ça maintenant, plusieurs dans l'étude, Building Moderate Muslim Network. Je parle l'islam est trop faux, pas qu'à la gare avec l'islam. Qui vous en fait? Vous en rentre à l'intérieur de l'islam, pareil comme Abdullah bin Sabah qui fait dans l'époque de Ousmane. Rentre à l'intérieur de l'islam, détruit l'islam à l'intérieur. Ça, l'étude qui se fait faire là, se fait divise, on va faire là, les musulmans en quatre tendances. Salafi traditionnel, salafi qui traditionnel, salafi qui jihadi, ban ikhwan al muslimin et ban traditionaliste, ban conservateur comme ban soufi, ban tablik. Je fais une divise à peu près, mon bédélia à peu près, là, pas exact. Hein, c'est pas pour un hadith ici, ça, c'est une bédélia ça qui nous rappelle là. Et je fais une divise, ban dans, je fais une étudier le monde musulman. Je fais une guetter avec qui ça là qui nous capable de deal, nous capable de bargain. Alors que je me trouvais avec Ban, ça me s'appelle Ban modéré musulman, parmi les là c'est Ban modéaniste qui veut dire qui jihad, peine à jihad, bien réinterprète l'islam, Ban punition qu'Allah a mentionné, bien sensé, nous l'époque insensé. Peut montrer où qui ça Ban là, d'ailleurs, il y a une question qui s'appelle Fahras Hadith. Veut dire, il y a Ban recherche qui fait faire, je fais compiler, il paraît qu'il y a un dictionnaire, plusieurs volumes. Ça livre là, ou bien un hadith, vous connaissez ce hadith là, et là c'est pas le mot Ramadan. Ouvrez ce livre là comme un dictionnaire, ou alors le Ramadan, ou le Samboula, l'idéologue tout bon hadith, veut dire référence, pas de nous hadith, ça lit. Donc, qui bon hadith? Fait que moi j'ai 10 livres hadith. L'idéologue tout bon hadith là, qui passe dans un hadith qui mentionne le mot Ramadan? Qui s'en a qui vient faire ça? C'est un moustachriquin, un orientaliste. Je ne prends beaucoup de temps pour étudier ça. Vous allez étudier Hadith, qui veut dire aujourd'hui l'islam qui est enseigné dans l'Angleterre, dans une grande université, qui veut dire ben, l'un approfondi dans l'islam. Je n'approfondis pas dans l'islam et je peux amener un nouveau l'islam, je peux et sans visage de l'islam. D'ailleurs, ok, ça nous parle un petit peu trop long, sinon, c'est qu'il nous veut montrer qui, ça m'a dit ce là, comment aujourd'hui, ben, bidra peut être sophistiqué, avec preuve à l'appui. Naturellement, une preuve qui, d'après interprétation, je ne pas interprétation, et qu'il est bien compliqué, bien très souvent, il est bien compliqué qu'il amasse, qu'il est embêté par une quitteuse pareil. Alors, ça, c'est quelques bonnes preuves qui nous font mentionner concernant qui fait nous besoin de suivre compréhension de Bansala. Malgré nous un petit peu trop tardé, nous raccourcis. Il y a beaucoup d'informations pour dire tellement important, mais seulement ce qui nous vient de montrer où là, c'est qu'il nous besoin comprendre d'après compréhension Bansala. Et une dernière parole pour nous terminer.
C'est qui pour montrer comment il a manqué ceux comme d'ailleurs un cheikh qui appelle Salih Munajjid, il finit un livre bid'a i'ada fahm an-nass. Il finit un livre là un bid'a qui n'apparaît dans les mots qui ne peut vivre, c'est relier nous dans texte. Qui veut dire relier veut dire réinterprète nous dans texte. Ça qui va en savant, je dis ça, c'est l'héritage. Man savant, il comprend l'islam dans un contexte, il y a Darul Islam. D'ailleurs, même ce concept de Darul Islam, Darul Kouf, je veux dire, les pieds dans sa cité là. Je veux dire, il y a besoin de réinterpréter l'islam, réamener une nouvelle interprétation qui est adaptable avec nous le monde. Il y a un savant, une parole qui finit dire l'eau, sa tendance pour réamener une nouvelle interprétation. Du bon, je dis ça, après, nous terminons la même. Et une troisième question, encore nous mentionner tellement important. Ibn al-Hafidh Ibn Abd al-Hadi, un grand savant de l'islam, il dit wala yajuz ihdathu ta'wil fi aya aw sunna lam yakun ala ahdi salaf. Il n'a pas permis ici pour mener l'interprétation de un verset ou bien de un hadith qui pas fini dans l'époque de ban salaf. La arafu qui ban salaf pas fini connaît wala yubayyinuhu lil umma qui ban la pas fini explique ça à l'umma. Fa inna hadha yatadamman annahum jahilu al-haqq fi hadha. Kif ya? Il dit, on ne sait pas qu'il y a un droit à une interprétation d'une ayat Coran qui n'est pas tiennée dans l'époque de Ban Salaf, ni une interprétation d'un hadith qui n'est pas tiennée dans l'époque de Ban Salaf. Qui fait? Ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle interprétation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connaître. Ban la pati konne fa innahum jahilul haq, ils n'ont pas de connaître. Wa dhallu, ils ont été égarés depuis la vérité. Et c'est lui qui permet sa nouvelle interprétation là, veut dire qu'il est déclaré, il est plus guidé. Plus bien guidé que Saban, qui Saban Sahaba, qui Saban Tabiri là. Et Ibn Taymiyyah, il dit une parole pareille. Il dit Man fassal al-Quran, ou le hadith, ou tawawalahu ala ghairi tafsir al-ma'ruf, ani sahabati wa tabiri. Il dit c'est lui qui explique le Quran, explique le hadith, et il interprète lui. Une autre interprétation qui ban sahaba ban tabirin fin donné fa innahu ou bien fa huwa muftarin ala Allah, li peut inventer concernant Allah, mulhidun fi ayatillah, li peut faire ilhad, li peut prendre simé de l'athéisme, li peut quitter ban Allah sur ban verset, muharrifun lil kalimi an mawadi'i, li peut distordre Allah ce din, wa hadha fathun li babi zandaqa wal ilhad, ça c'est une ouverture vers la porte de l'athéisme. Allez, continuez. Un dernier hadith, tout termine par là. Naturellement, un hadith bien important qui n'est pas qui s'en a sur parole. Rappelle ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Mustadrak al-Hakim, il dit ce hadith, al-Hakim, il dit que hadith est sahih, d'après la condition de Bukhari muslim, il dit comme ça, Sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqa. Le prophète dit sa ummat là pour diviser en plus qui 70 firqa, groupe. أعظمها فتنة على أمتي. Sa groupe qui libouin a pris beaucoup fitna, sa fitna beaucoup plus grave le mot ummat. قوم يقيسون الأمور برأيهم. Un groupe de monde qui se poupèse ban quitteuse d'après son opinion. يقيسون الأمور littéralement se poupèse, se juge ban quitteuse برأيهم par son opinion. فيحرمون الحلال. Je peux faire halal bin haram, ou yuhalliloun al haram, et je peux faire ce qui haram bin halal. Mais seulement Shaitan, un dernier point, mon frère, excuse-moi, nous prenons un petit peu de temps, un dernier point. Shaitan, jamais il peut inviter nous vers haram, et c'est le coup de lit. Jamais Shaitan, il peut inviter nous vers haram. Ici, le prophète peut dire, je peux faire halal bin haram, et haram bin halal, mais il peut faire libre pas. Un exemple. Aujourd'hui, nous te connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'an Allahu man amila amala qawm lout. Malédiction, l'eau, c'est lui qui fait action de qawm lout. Mais c'est la sodomie, l'homosexualité. Right? Le qawm lout, le peuple de le lout, tu peux faire la sodomie à travers l'homosexualité. Le prophète dit malédiction, l'eau, c'est lui qui fait l'acte de sodomie et l'homosexualité. Trois fois, le prophète dit ça. Trois fois, malédiction à Allah, l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Celui qui se fait une trouvelie peut faire action de qawmi lut, tuez celui qui peut faire l'action, tuez celui qui peut faire l'action, celui qui peut subir l'action. Sahaba ina ijma qui besoin tuez sa djimoun là. Ça dit djimoun qui fait ça avec consentement, tuez je. Même dans le Coran, si il y a, et dans le hadith, il y a condamné sa quitteuse là. Sa punition c'est tuer sahaba ina ijma. Asan djimoun li peut venir dire, même si mon pas, il écrit,
pas juste ce parole et écrire une lire aussi dans ce livre, lui dire si mon papa adopter, mon pas share the opinion of the homosexual, mon pas adopter cette opinion, ni mon d'accord avec cette action, mais ça pas empêche moi pour me respecter ce que je étais. Respecter le mot qui me servit précisément, nous n'écrit à lui, nous pas avec moi c'était là. Ça pas empêche moi pour respecter ce que je étais. Coran dit Sharia dit malédiction le holi, prophète dit malédiction le holi, prophète dit tu holi, sahaba dit bizat tu holi. Comment nous capable de nous respecter? Qui me peut dire là? Prophète dit sa firqa qui servit l'intelligence pour comprendre, pour faire halal bin haram, faire haram bin halal. Ça c'est le coup là. Et là qu'est-ce que vous venez faire? Je vous dis non, ne pas dire halal. Ne pas dire halal, ne pas dire accepter du monde là ce choix, accepte. Ne pas dire halal, vraiment ne pas dire halal. Mais ça veut dire respecter lui, mais ça à travers ça la porte là qui va mener vers qui tu sais que halal bin haram, c'est que haram bin halal. Ça c'est le danger. Beaucoup de monde ne pas comprend et surtout qui ça va le langage qui servit, il est bien subtil, difficile pour détecter man qui chose pareil, mais il comme ça aujourd'hui frère sur l'islam, la cause ne peut trouver un cadre l'islam. Madame et ma organisation islamique, pas seulement de Maurice, hein, jamais tu n'as dans le passé ça. Bah il avait causé ici une madame qui me fait sa présentation. Madame vous venez assis sur la table. Et dans ma zid, quand l'imam fait rire, le prophète dit at-tasbih lil rijal wa at-tasbih lil nisa. Quand l'imam fait rire, Michel dit subhanallah, c'est Michel pas une remarque qui m'a fait rire, ben madame, tape la main. Ça dans ma zid ça. Et madame fait namaz alors hier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, quand il finit fait namaz, salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah, il fait son tasbih, et quelques petits moments, après il se fait tourner vers le sahaba. Narrateur de ce hadith, ça dit, le prophète il partage un petit moment pour les madame sorti. Donc on va le faire Umrah Hajj, Michel dit labbaik Allahumma labbaik à haute voix, madame dit à voix basse. Quand on fait tawaf ul qudum, ou galoup trois premiers tours, madame l'imam aussi. Quand on fait Safa Marwa, première madame qui t'a loupé sa femme en roi, c'est Hajja. Mais madame, quand il y a les limaussés, il n'est pas galoupé. Mais aujourd'hui, l'islam est distordu avec ma nouvelle interprétation. Malheureusement, c'est comme ça, frère, son islam. C'est qui, c'est mon manque de connaissances. Mais tout cela, c'est un danger qui nous vise à avertir du monde. Ce n'est pas pour la haine pour du monde, mais c'est un danger qui dit dans l'islam aujourd'hui, il est distordu, il est falsifié par manque de connaissances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous. Et un certain remarque qu'il nous fait aujourd'hui, nous besoin peut-être causer un petit peu de quelque chose qui est plus précis dans l'île, il n'est pas simple, pour penser, il n'est pas suffisant, comment dire, de faire une causerie. Ça, après l'île, un petit peu plus approfond, on lui vient dire, une bidra, peut-être plus sophistiqué. Longtemps, tu es dans l'île, tu peux causer ou deux, en bête du monde, à cela, il y a des gens qui sont arabes, plus bien qu'ils ou, ils peuvent expliquer le Coran. Par exemple, Ahbash, il y a des gens qui sont au Liban, ils viennent sur l'angage, ils flippent qui ou d'arabe, naturellement, sur l'angage, ça. Alors ça, c'est un danger qu'il y a dans l'époque, il y a une sensée, nous devons prendre précaution beaucoup, sinon, beaucoup de gens prennent le chemin de l'égarement, quand une finie arrive, et surtout la tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qu'Allah ta'ala donne nous sincérité, donne nous pas une parole, et nous demande action, et qu'il protège nous contre l'égarement. Wa akhid da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.